Allez, nous y sommes. On va vous proposer pêle-mêle quelques portraits. D'accord. Sans question. On aura des relances, c'est des relances, c'est pas des... D'accord, ok. Premier portrait. Oui, c'est Caroline da Silva, oui, bien sûr. Oui. C'est ma collègue et complice. C'est l'une des meilleures animatrices de Côte d'Ivoire, ça c'est sûr, parce que c'est une dame qui adore travailler sous pression. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Elle est vraiment très forte dans ça. Chapeau, Caroline. Aujourd'hui, elle est toujours présentatrice ou elle est passée à la rédaction? Point d'interrogation aussi. Point d'interrogation. Je ne demanderai pas, ne vous en faites pas, je vous poserai tout le temps des questions. Portrait, personnage suivant. Jean-Michel, c'est une valeur sûre de la télévision, un animateur hors pair, intelligent, tact. Fin. C'est chez lui, fin. Et c'est vraiment l'archétype du jeune premier. C'est un produit made in Côte d'Ivoire. Qui va loin, qui est intelligent, qui est fort, qui vient d'avoir aussi le prix d'excellence. Ouais. Avec justement la bio décalée qui le fait à merveille. Hein. Ouais. Voilà, c'était sa trouvaille. Ça vient de lui? Ça vient de lui. Oui, absolument. D'accord. Ensemble avec de la culture, on voyage dans tous les pays du monde. Ouais. Personne n'en doute d'ailleurs. Ouais. Jean-Michel, qu'on salue au passage et à qui on envoie d'ailleurs toutes nos bonnes pensées. Alors, c'est quoi le prochain portrait? C'est qui? On y va. Priscille, la dégameuse. C'est bien ça, non? Si. Bien sûr, mais c'est Priscille. Mm-hmm. Oui, Priscille, oui. Bonne chroniqueuse, beaucoup d'humour. Et je cherchais à l'époque une fille pour faire un peu le pendant de Philo. De Philo, oui. Voilà. Et elle était d'abord venue dans l'émission en tant qu'invitée. Et après, elle travaillait sur Fréquence 2. Avec toi. Et j'ai appelé Marim Koulibaly en disant « Ah tiens, Priscy, ça me dirait bien de la faire bosser chez moi. Ouais. » Donc, on s'est entendus, elle est venue. Je pense qu'on a passé des années de franches rigolades. Allez, on a... C'est fini? C'est fini. Oh, mince. Ah, on a une dernière image, me fait-on dire. C'est qui? Pour moi. On y va, alors? Ah. Alors, justement, on va faire un petit clin d'œil à DKO, qui ne se sent pas bien, qui ne se sent pas bien du tout. Donc, j'espère qu'elle regarde ce vendredi l'émission. Un petit coucou à toi et puis reviens très vite. Est-ce que ça va pas très bien en ce moment? Ouais. C'est un nom qui résonne dans le paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, à travers cette symbolique image, on aimerait lui rendre un hommage pour tout ce qu'elle est et pour tout ce qu'elle représente pour notre télévision. C'est une grande dame. Moi, j'ai connu DKO il y a 30 ans en arrière. Elle était toute jeune. Elle travaillait avec l'équipe de NG10. À la RTI, je la voyais tout le temps avec un sac et toujours avec la coiffe là. Et elle n'a pas changé, elle est toujours la même. Ouais. Et c'est elle qui tient vraiment la régie, la réalisation de Samedi. Voilà. C'est une dame formidable. Elle a beaucoup appris et puis je pense que elle va nous revenir très vite. Oui, très vite. En tout cas, on t'embrasse, maman. On t'embrasse et puis on prie fort pour toi, pour que tu nous reviennes très, 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 très vite. On t'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup d'ondes positives. Vous savez, monsieur Ondjou, pour tout le respect que j'ai pour vous, parce que vous êtes mon boss, je vais me déplacer et je vais faire un Maudia en tête à tête avec vous. Voilà. Avec un prix d'excellence, on ne fait pas de Maudia.